Yo les amis, c'est Yoshikira et bienvenue dans le 33e Docteur, épisode de Pokémon version Prism. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va super. Donc j'ai pas eu encore les retours de l'épisode 32 vu que je tourne les deux épisodes de la semaine à la suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler pour trouver l'indice 2, on va parler pour trouver l'indice de l'île 6 et on va essayer de se faire l'île 7 si ce n'est pas trop long à l'île 2 ou à l'île 6 en espérant de ne pas retomber encore une fois sur une grotte parce que là les grottes j'en ai au-dessus de la tête. Oups, le casque qui s'envole, allez c'est parti, générique épisode. Et nous voilà sous l'île 2 avec Sébastien le crabe. Allez, c'est parti sur l'océan. Ok, donc qu'est-ce qu'on a à faire dans cette île 2? Voyons voir. Donc, on a le film de mes vacances va être extra. Tu vas même être dedans, visiblement. Ouais, je suis dans son film de vacances, c'est cool. Ok. Le courant qui alimente les différentes îles de ces villes n'est pas lié à la centrale de Konto, on pourrait y croire. Mais ça provient du soleil. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la dernière était hors service depuis l'attaque de la Team Infini à Kanto. Ok. Piouf, je pensais qu'ils vendaient des bijoux sur cette île, mais finalement non. Oh, petite commerçante. Bienvenue sur la boutique de l'île 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter sur cette boutique de l'île 2? Des hyperboles, des max repousses. Bon, on a fait le plein à l'épisode précédent, donc on n'en a pas besoin. Très bien. Merci de votre visite et à bientôt. Oui, bah, je m'attendais à des bijoux aussi, tiens. Le vendeur est le frère de l'ancien gérant dans la salle de jeu d'ici. Il est reparti avec sa fille sur l'île 3 il y a quelques mois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Pour l'instant, je ne sais pas. On parle au PNJ. Ça semble être une grande map. Il y avait une salle de jeu ici, mais je me demande bien ce qu'ils ont mis. Il y a intérêt que ça soit aussi fun. Ben, on va visiter ça de suite, l'ancien pré. Cette structure là-bas est impressionnante. Par contre, j'ai aucun Pokémon pour m'y rendre. Ok, va nous falloir surf pour y aller. Donc, on y va, on y go, on y vole. Ok, donc, j'ai oublié de mettre le max repousse. Est-ce qu'on va croiser un Pokémon sauvage? Oui, alors qu'est-ce qu'on va croiser? Attention, suspense. Un Pokémon qu'on n'a pas, ça serait bien. Mais bon, un Nakwekwek. Bon, malheureusement, je t'ai déjà. Donc, comme d'habitude, on va faire une fuite. Très bien. Alors, non, pas Pokémon, pas besoin de Pokémon, sac. Hop, Max Repousse, voilà, il était prêt à être sélectionné. Donc, on y go. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir cette ancienne salle de fête. Et je remettrai pas les pieds là-dedans, les gens me font peur. Oh, pauvre petite mamie. Je viens de vivre une expérience assez étrange dans ce bâtiment. Oh, ben voyons voir ce qui se cache. Oh, 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 le multivers. Alors, on a Link. Je pense que je mettrai son vrai cri. On a Masness. Chiula. Oh, notre cher Mario. Donc, rendez-vous dimanche pour la dernière partie de Unfair Mario, d'ailleurs, en y pensant. Mamma mia! Dove sono? Où es-tu? Mais oui, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, en plus, on a la musique de la veste, ça c'est marrant. Mais il semble qu'on puisse échanger les reliques réapportées dans nos voyages à cette machine contre des récompenses. Intéressant, qu'est-ce que c'est? Cette machine vous permet d'échanger des fragments d'univers contre des récompenses. Intéressant. On verra ça plus tard. Oh, enfin quelqu'un! Je suis le professeur, j'ai Squirch! Vois-tu, mais j'ai développé un appareil complètement démentiel. Son principe, te faire voyager dans l'espace-temps et découvrir des univers inconnus, qu'on l'aime, le multivers. Le multivers est l'ensemble de tous les univers possibles, le nôtre inclus. Imagine un univers où l'homme n'existerait pas, eh bien, il ferait partie du multivers. Bon, comme tu peux le constater, autour de toi, il est encore en phase de test. On ne sait pas où tu iras, ni ce que tu pourras rencontrer. C'est drôle, non? Si tu souhaites voyager, n'hésite pas à revenir me voir. Tiens, je te donne ça, ça pourrait te servir. Bah, on va l'essayer, tiens, ça peut être cool. Et je pense qu'on va... Le manuel sur le multivers. Bon, on va tout de suite le lire, hein, voir ce qu'il nous dit d'intéressant et... Japon. Alors, ça doit être dans Hub Gérard, bien sûr. Hop. Alors... Non? Objet tout court? Non? Alors, où que c'est?
livre quête. Multivers, voilà. Utiliser. Alors, manuel du multivers du professeur G. Suirish, vois tout. Sommaire, pardon. Alors, le multivers, les niveaux, Pokémon, objet, menu. Alors, le multivers est l'ensemble des univers possibles. À chaque voyage, vous découvrirez un univers. Il est possible que dans le futur, plus d'univers soient découverts, ok. Plus vous voyagerez dans le multivers, plus le niveau d'un univers sera difficile. Ok, c'est du même style que la bête. Alors ça, c'est fort sympathique. Les Pokémon de niveau inférieur à 50 ne peuvent pas voyager. Ça serait trop dangereux pour eux. Très bien. Objet menu. Votre inventaire sera indispensable même dans le menu principal. Certains points de sauvegarde seront disponibles. Ok, rendez-vous dans le multivers. Alors, bah ouais, on va essayer. Alors, bah, on va essayer le premier du coup. Donc c'est du même style que la bête, intéressant. Alors, tu peux y aller, bonne chance. Alors, on va vite fait tester, découvrir ce qui s'y cache. Alors, l'écran est tout noir. Oh! Oh! Oh, il semblerait que tu aies fait un bond dans le passé. Tu es en 2001. Tiens, il n'y a pas de laboratoire? Oh, mais non! C'est quoi ce délire? Ah, il n'y a pas le laboratoire du prof Chen. En 2001. Ah, mon Dieu, par contre, qu'est-ce que c'est lent. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu. Alors, je suppose qu'on est dans la maison de Red. Oh mon Dieu, mais ça va être un épisode mais complètement épique. Samuel est infiniment respecté ici, en particulier par les enfants. Mon fils rêve d'être comme lui plus tard. Oh, donc c'est-à-dire qu'on a Red ou Sacha là-dedans. Donc Red, Sacha, attention. Grâce à ma super équipe Pokémon, je vais bientôt défier Pierre d'Argenta. Je devrais bientôt être le meilleur Pokémon et Monsieur Shen sera fier de moi. Ok, donc c'est Monsieur Shen, je dirais... Ah, je sais pas, on n'a plus de musique par contre. Oh. Ah si, c'est bon, ça se relance. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, what the fuck? Ne dites pas... Bon, par contre, c'est... lent. Très lent. Et donc là, on a Blue Red. Ah, c'est donc c'était Red. Red pense vraiment pouvoir devenir le meilleur que mon grand frère. Quelle banane! Si quelqu'un s'il doit le remplacer, ce sera moi et mon Salamèche. En tout cas, je vous conseille aussi une petite série qui est sortie, voilà, par Pokémon Company, qui est Pokémon Génération, qui est franchement génial. C'est, je m'éclate. Ah, putain, les musiques des premiers jeux. On va pas parler à tous les PNJ. Hein. On va juste. Juste se faire agresser par un dresseur. Très bien. Connais-tu le magasin Pokémon? Nia, je porte un short. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? What the fuck? Ok, on retourne sur l'ancien affichage. C'est marrant, donc il m'envoie un Tauros, niveau 51. Ah, intéressant, les Gokoda. Avec l'ancienne musique de combat. Oh mais c'est vraiment génial. On a du vieux et du récent en même temps. Ah oui, je suis... stupéfait. Ok, on a mis Tauros KO, ça c'est fait. Magma... Oh putain, t'en as 5. Ok, on change. On envoie Colouse contre Magmar, ça devrait le faire sans trop de soucis. Ok. Attaque, surf. Par contre, je ne sais pas comment on sort d'ici. Car c'est pas du tout ce que je voulais faire dans cet épisode. Et c'est ça qui est génial, c'est que de surprises. Oh là là. En 2001. C'est ouf. En 2001, j'avais 10 ans. C'est... J'ai pas vu qu'il m'a envoyé du coup. Mélodelphe. Bon, ça, il est pas encore de type fée, donc... Je le vis bien. Crogivre. J'aurais dû faire peut-être surf, car c'est stabé, mais bon. Ça devrait le HKO. Non, de HKO, ok. Il me rate, Berceus, tant mieux. Donc on refait petit Crogivre. Non, je... Ouais, je suis juste... stupéfait. Voulez-vous appeler notre Pokémon? Non. Carabaf. Oh, un Carabaf, ok.
Allez, vibre obscur, on reste sur Colouse. What? Est-ce que c'est normal, j'ai entendu ça? Il doit y avoir d'autres combats autour de moi, car je sais pas si vous l'entendez, vous, dans le casque, ou bien c'est un bug, parce qu'il y a plein de sons d'attaque dans le casque. Genre là, c'est un ultra laser que j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe pendant que je combats? What? Tentacruel, oui, alors là, on va vite se dépêcher, car... Je sais pas, il y a eu un truc chelou. Je demanderai à la Team Nebula, là, tout à l'heure, à la fin de l'épisode, voir si c'est un bug ou pas, ou on va peut-être le découvrir là à l'instant. Mais c'est très, très, très bizarre, donc je sais vraiment pas si vous l'avez entendu. Ok. Voyons voir ce qui s'est passé. Tu en as pas besoin, je crois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien? Pourquoi il y a eu des sons d'attaque, de combat? L'effet de votre repousse s'estompe. Voulez-vous utiliser un max repousse? Non, on va voir s'il y a les Pokémon qu'on peut capturer en mode YOLO. Mais jusqu'où on va aller? Par contre, c'est super lent. Donc je mettrai certainement un accéléré sur les pas. Encore un dresseur qui nous attend. Je me souvenais pas que cette route 1 était longue. Ok, on a un deuxième dresseur qui nous agresse. Tu vois les rebords, ils te permettent de retourner rapidement au Bourg-Palette. Tu vas pouvoir vite y retourner. Mais non, je veux pas y retourner au Bourg-Palette, s'il vous plaît. Alors, t'es envoyé par gamin. On va essayer d'écouter s'il y a encore, comme tout à l'heure, les petits sons subliminaux. Ok, donc en fait, ça serait une best bis, quoi. Ok, Pokémon. On va envoyer Picaprout. Intéressant. Ce serait un épisode hors sujet. Tonnerre. Voilà, donc le Lamantine, il a eu mal aux fesses. Bon, il devrait y avoir une dizaine de combats, on va tous les faire. Je pense qu'on va nous atterrir jusqu'à Pierre. Osley, ok, on change. On envoie Maratank. Tranquille, au calme. Il va nous faire le boulot. Ok, donc là, on va nous faire un petit cascade. Allez, c'est stabé, ça devrait lui faire mal. De toute façon, niveau 52, je suis 79, bientôt 80. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est bon, on l'a eu. Ah, là, je suis encore plus qu'en totale découverte et encore plus gaga. Ok. Le multivers. Oh mon dieu, c'est lent. Oh mon dieu, c'est lent. Et encore un dresseur, une dresseuse cette fois-ci. Je crois qu'on arrive à Argenta. Voir ce qui se passe. Désolé pour l'aboiement dans votre oreille. Tiens, encore un enfant qui vient du Bourg-Palette. C'est pourtant dangereux ici depuis la victoire du vieux chêne. Depuis la victoire du vieux chêne? En 2001? Ok, canon. À toi l'horreur. L'honneur, pardon. J'ai de l'humour. Ok, Koda, donc là je vais me prendre un tonnerre, donc on va faire Pokémon Switch Marathon Go. Et comme ça je prends pas le tonnerre. Haha, tu t'y attendais pas. Et séisme, mimique. Ok, tu baisses ma défense, c'est pas grave, je switch de toute façon au prochain tour. Mais c'est très étrange tout ça. 2001 chaîne. Grand champion. Ponyta, on change pas. Mais what the fuck hell? Ok, cascade. Donc ouais, ça sera peut-être une nouvelle zone pour entraîner les Pokémon. Donc pour l'instant, on n'a pas de deuxième son subliminal de 150 attaques qui se fait en même temps. Je sais pas, je... Sac de nœuds, ok, on envoie Koda. On aurait pu envoyer Houdini, ça fait un petit moment aussi qu'on l'a pas vu. Là on est bien, on est tranquille, ça fait XP gentiment. Hop, canicule, te loupe pas. Ok, tu baisses mon attaque, ma défense. Ok, canicule, voilà, tu t'es pas loupé cette fois-ci, c'est bien. Allez, on y croit. L'OHK au pont, c'est normal. Très bien.
Ça y est, ça le refait. Écoutez bien. Ah, c'était un hydrocanon. C'est assez perturbant. Du coup, j'ai pas vu qui m'a envoyé. Bon, on envoie Houdini. Je crois que c'est Dracofeu. Ossature, bon, ça va. Et il y a aussi des cris de Pokémon, mais c'est super glauque. Balombre. C'est terriblement glauque, glauque, glauque. Je baisse un peu le son. Parce que c'est un petit peu fort. Mais c'est quoi ce délire de... On entend des tentacules cruels se faire défoncer, des... Non, c'était le son de Mewtwo qu'on entendait. Férosinge. Là encore, on a eu un Magnéti. Non, c'est vraiment bizarre. Ok, Psycho. Là, on vient d'avoir le son d'un attaque tonnerre. Le son de Berceuse. Ça doit être Hydrocanon. Encore Berceuse. C'est, mais il se passe de ces trucs en même temps. Tonnerre encore. Et là, plus rien. Mais pourquoi as-tu une équipe aussi forte? Je sais pas, Canon, mais... Je suis... perturbé. Est-ce que j'ai créé une faille spatio-temporelle? Je n'aime pas remonter le temps. Ok, on a un centre Poké. Et là, on a un petit carré qui clignote. On va voir le centre Pokémon d'Argenta. Il semble que l'accès soit refusé. Très bien. Donc on va aller dans ce petit carré. Et il y a un autre truc où il y a marqué Poké. What the fuck? Ok, donc c'est une sauvegarde. Très bien, 88 heures de jeu, normal. Je vous avoue d'être littéralement perdu. Il semble que l'accès vous soit refusé. Très bien. La reine de pierre, peut-être. Honnêtement, là, je ne sais pas. Je suis perdu. Je sens que l'épisode, du coup, va être super long. Non, je suis à Jadiel, je suis con. Je suis pas à Argenta. Allez, on va essayer de pas fail. Voilà, et ne pas sauter. Oh, tu viens de défier le champion. Bonne chance, si on aura besoin. Ok, donc, on a une arène. On va se faire le badge terre une deuxième fois. Donc là, ça serait Giovanni de la Team Rocket par défaut. Qui ne serait pas encore de la Team Rocket ou... peut-être le professeur Shen, champion de Jadiel. Oh, allez. Ok, c'est comme dans le dessin animé. Alors, le dessin animé. Donc, je sais plus ce qu'il faut faire. En tout cas, il y a beaucoup de dresseurs. Tac, tac. Donc, ça, ça mène là-bas, ça, ça mène là-bas. Donc, il faut... Logiquement, on peut pas les esquiver, ceux-là. Voilà, on peut pas les esquiver, donc on va le faire. Mais c'est chaud de la night. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, accélère un peu. Je suis la seule fille de la reine, mais je suis la meilleure, bien entendu. Celui-là, ça fait... Fight! Ok, top dresseuse. Attaque un Pokémon, ça va faire au singe. Pas trop de problèmes. Gekoda, il va faire vol. Ok, vol. Je m'envole. Coupe croix, je l'évite, bien sûr. Et on tue avec... Peut-être qu'on va choper l'indice sur Deoxys ici. Ça serait ouf quand même. Voilà, on a battu top dresseuse. Oh zut, je ne regardais pas. Bah oui, mais t'es con, on est en combat dresseur, mademoiselle. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'on retrouve l'esprit arène et tout, mais... Je suis complètement perdu, parachuté et tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave. Je sens que tu peux accomplir de grandes choses. Je sens que tu vas perdre et que j'ai envie d'affronter au moins... Shen. Ou Giovanni, je sais pas, du coup. Karateka, très bien. Bon, ben... Ah, Reptincelle. Salut, je te présente ton père. Ou ton petit-fils, du coup. Vol. Ok, je m'envole tranquille. J'esquive tranche. 69, année fantastique pour moi. 50 pour lui. Il va se faire fister. Voilà, ça c'est fait. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Quel combat surprenant. Ok, allez, suivant. Alors,
Même la Team Rocket n'a rien pu faire face à notre champion. Alors, on va affronter Shen ? Je comprends pas, je suis perdu. Bon, je voulais pas de grotte, on a pas de grotte, ça c'est la bonne nouvelle. Enfin, pour l'instant. Pas de grotte sur l'île 2, mais on n'est plus sur l'île 2. Ah, là, par contre, ça change. Ok, Pokémon. On va envoyer Maratank. C'est un peu style Nuzlocke, car les centres Pokémon ne sont pas disponibles. Maratank récupère avec Rest. Très bien. Merde. Hop. Donc, on va faire Séisme. Donc, le Séisme, bien sûr, qui en fait qu'une bouchée. Mais je vous avoue, là, que... Je suis en mode Staros, très bien. On change, on envoie ce fois-ci Picafruit. Ah, mais c'est ouf de ouf. Ok, de toute façon, ils sont. Enfin, pour l'instant, donc c'est le niveau 1, c'est du même style que la best. C'est facile. Je pense qu'arriver au 10e multivers, et je me demande quel univers on va rencontrer. Je pense que je ferai des épisodes là-dessus, du coup. Car si là on est avec Mario, on a. Mario. Pokémon version bleu, rouge, vert. Je pense qu'on va trouver l'univers de Mario, enfin, tous les univers de Nintendo, et ça serait hyper cool, quoi. Se balader dans Zelda, et paf, un Pokémon sauvage. Des Kokiri. Donc, à voir. Niveau 78 pour Picafruit. Donc, si c'est ça, je pense que je ferai des petits épisodes en attendant les prochaines mises à jour, et ça sera voilà, une fois par semaine, ou un truc comme ça, ou une fois par mois. Ah, c'est le professeur Shen. Eh bien, on va l'affronter, notre cher Samuel. Bien le bonjour, c'est la première fois que je te vois ici. Viens-tu d'arriver? Je vois, tu viens d'une région lointaine, donc je me présente, je suis Samuel Shen, dresseur émérité de la région de Kanto. En plus d'être le champion de cette arène, que j'ai récupéré à la suite d'une défaite de du champion précédent, je suis aussi le maître de la ligue. Vois-tu, cela fait 25 ans que j'ai remporté mon titre et personne n'a réussi depuis à reprendre ce titre. L'an dernier, l'organisation maléfique de la Team Rocket a tenté de régner sur la région, mais ils n'ont rien pu faire face à mon équipe. Si tu es là, c'est que tu penses pouvoir me tenir tête. Alors, regardons ça dès à présent. Dès à présent, il manque un mot, je crois. Ok. Oh, avec le skin, le vieux skin du professeur Shen. Ok, il nous envoie une noix de coco niveau 53, donc Koda, Boutefeu, allez hop, on réfléchit pas. Ah, mais ça me rend ouf, ok. Le noix de coco, sans problème. Arcanin, ah ok, ben nickel, on switch sur Maratank. Il a 6 Pokémon quand même. Hein. Ok, bon, Arcanin, on le connaît car on en a un aussi. Mince, j'ai fait force, pourquoi? C'est bon, j'ai pas pris la brûlure, tant mieux. Bon, force, ça va pas faire grand mal. Bon, c'est bon, hop, cascade. Vitesse extrême, bien sûr, ça va me faire un petit peu mal, mais bon, je suis solide défensivement. Maratank, c'est le héros, je vous rappelle. Léviator, ok, on switch avec Picafruit. C'est vrai qu'il a de sacrés Pokémon, le prof Shen. Ok, attaque, du coup, tonnerre. On est plus rapide. Mais je pense que voilà, ça sera juste ça l'épisode d'aujourd'hui et on visitera vraiment l'île 2 lundi. What else? Que voulez-vous de plus? Florizarre. Ok, donc il va terminer avec les 3 starters. Donc Florizarre, on va l'éliminer avec Koda. Ensuite, Tortank avec Picafruit. Et Dracaufeu avec mon Léviator. Voilà, les canicules. Non! Je prends un Damoclès. Allez, on va pas de perte. Pas de perte. Allez, bout de feu, c'est pas grave. On va prendre un petit peu de recul, mais c'est pas grave. Voilà, on t'a eu. Florizarre est KO. Je prends des dégâts de recul, logiquement. Non. Très bien. Ok, Tortank, donc on a dit avec Picafruit. On va tenter le Fatal Foudre, histoire de... dire, c'est moi le patron. Ok, Fatal Foudre.
Ah, la musique s'arrête. Elle va se relancer. Très bien. Et Dracofeu, donc on a dit avec Koulouz. Voilà. Relancement de la musique. Oh, ça va être un épisode super long, les amis. Hein. Je vous le cache pas, je mettrai quelques petits accélérés sur les périodes où c'est très très lent. Mais ça cachera pas l'épisode de 30 minutes sur. Ok, donc on a battu Samuel Chen. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas? On a battu le maître Chen, pardon. Mais qui es-tu? J'adore faire sa voix. Je suis sans voix. J'avais oublié à quel point l'effet pouvait se faire une défaite. Je te félicite. C'était un très bon combat. C'est avec joie que je te remets le badge terre. Attends voir. Tu l'as déjà? Je comprends pas tout. Ha ha! Qu'importe. Tu es le mérite amplement. Il est divin. Alors, je suis riche. L'univers semble être stabilisé. Tu ne vas pas tarder à bouger. Prépare-toi. Ok, donc il faut aller dans le carré bleu. Je suis riche. La synchronisation avec cet univers prend fin. Ouais. Oui, je veux bien. Ah, c'est bon. Ouf. Bon. Que dire? Qu'en penser sur ça? Beaucoup de choses. Donc, c'était une expérience assez intéressante, non? Et en plus, tu as obtenu des fragments d'univers dans ton inventaire. N'hésite pas à revenir me voir si tu souhaites retourner dans le multivers. Ok. Mais on viendra te rendre visite un peu plus tard et plutôt en off. Enfin, pas en off, mais... hors la quête de Deoxys, parce que voilà, l'épisode du coup a changé littéralement. Et du coup, en tout cas, j'espère que cet épisode, voilà, vous a plu. S'il y aurait un truc à changer, voilà, sur le premier monde du multivers, le booste un peu, car c'est vrai que je l'ai trouvé très très lent et c'est pas moi qui laguais justement. Donc c'est dommage, car vous avez bien vu sur le combat, c'était plus qu'habituel et quand on se déplaçait là-dedans, c'était très lent. Donc peut-être que dans les autres zones, ça sera mieux ou pas, je ne sais pas, on verra ça plus tard, les amis. Mais en tout cas, ce fut une riche expérience fort intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu voilà, pour cet épisode parce que... Japon. Et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, tous les liens seront dans la description. Et ainsi que pour télécharger la version 0.97 de Pokémon version Prism. Et sur ce, donc, je vous dis à lundi pour l'épisode 34. Allez, sur ce, peace.